Bonjour tout le monde. Bon, comment vous allez bien? Tout le monde va bien? Bon, ben c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Si tout va bien, c'est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, ça va. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, ben voilà, comme je vous ai dit, j'ai un nouveau travail. En plus de ça, ma GoPro est tombée en panne, hein, donc elle est morte. Donc j'ai dû en racheter une nouvelle. Donc voilà, c'est ma première. Bon, c'est la même, j'ai racheté la même. Voilà, donc j'avais plus de caméra, j'avais pas trop le temps d'aller en rando, voilà, donc si j'ai fait, ouais, j'ai fait deux trois trucs, mais bon voilà. Bref, donc là, vous voyez, je me trouve dans la nature, quelque part dans la nature, trouve au col de Vence, et je vais aller visiter une grotte. Une belle grotte que j'ai visitée la semaine dernière avec mon acolyte. J'ai un nouvel acolyte, Daniel, donc avec qui m'a fait découvrir cet endroit. Et donc je me suis dit, bon, dès que j'ai la caméra, je reviens et je fais un film. Regardez comme c'est beau là. Oh là 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 là, le bonheur. Voilà. Petite définition du bonheur, petite maison au milieu de nulle part. Avec un espèce de petit ranch quoi. Bon bref, donc voilà. Donc oui, je vous disais, j'étais avec Daniel, que j'ai rencontré sur ma chaîne. Hein, donc voilà, un explorateur aussi, un amoureux de la nature et de découverte. Donc je pense que vous aurez l'occasion de voir des prochaines vidéos où il sera avec moi. Donc voilà, petit bonjour Daniel. Voilà, donc on va aller visiter cette grotte qui s'appelle la grotte de la Fumada, qui veut dire la fumée en espagnol, il me semble. Voilà, la vie, la vraie vie. C'est une bergerie. Même pas une bergerie, ça sent pas du tout, ça sent pas les animaux. Ah, c'est sympa, moi je veux bien, bah, je viens m'installer ici moi, tiens. Ah, c'est chouette, c'est sympa cette petite maison, très sympa. Bon, on est parti, allez, c'est parti pour l'aventure, la grotte de la Fumada. Vous allez voir, elle est assez jolie. Hop. 49D. Alors ça, les spéléologues sauront ce que ça veut dire. 49, je crois que c'est l'endroit. Il me semble que c'est la, je sais pas si la commune ou je sais pas, enfin, je sais pas en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des araignées, des petites araignées. Des sauterelles, on dirait, je sais pas, j'arrive pas à bien voir. Donc, tout ça, on a l'impression que ça a été cassé déjà. Il y en a plein qui ont été cassés. Je pense que c'est des gens qui les ont cassés. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bon, là, j'ai mis ma veste. De chaud en fait. Alors, ça va l'allumer. Hop.
des traces d'hommes préhistoriques. LOL, hein, évidemment. Des hommes préhistoriques assez modernes. Ça a été coupé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça brille de partout là. Comme ça, sur le cul. C'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est magnifique. On a vraiment l'impression de sortir de la réalité, quoi. On a vraiment l'impression de quitter le monde réel, et arriver dans un nouveau monde, quoi. Par là, on a compris. Oh, qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Glissant.
arrivé là-haut. Une stalactite. Regardez, le début de stalagmite partout là. Voilà, c'est casse-gueule. Pour arriver à tout ça, quoi. Oh, les entrailles. Là, oh, c'est fou. J'ai perdu le cache de main. Attends, je vais poser le câble. Hop. Alors lui c'est Wild Surimi. Vous tapez ça sur Instagram. Hashtag Wild Surimi. Vous allez tomber sur tous ces... Il est toujours là, il n'a pas bougé. Ça, c'est une stalagmite énorme. Voyez. Les gouttes en fait ont commencé à couler et ça a créé ça quoi. Donc là on est en millions d'années encore. Combien exactement je sais pas. Ah, c'est fou. On se croirait un peu dans le monde d'Alien quoi. Ça fait un peu flipper des fois. C'est fort mais... extraterrestre. Donc là, j'ai toujours pas coupé la caméra, on est en temps réel. Hein. C'est un plan, ce qu'on appelle un plan. Comment ça s'appelle? Un plan séquence. Voilà. Donc je suis vraiment depuis que je suis parti du début de la grotte. Ah, regardez, on dirait qu'il y a. Ah non. Je croyais qu'il y avait de la lumière. Ça brille, c'est trop lourd. Calcaire. Regardez ça. Pas être gros, hein. Il y a des endroits où faut pas être gros. C'est la fin. Je crois que c'est ici la fin.
Alors on peut peut-être là-bas, mais je ne m'aventurerai pas tout seul là-bas. Je suis allé jusqu'au fond là, la semaine dernière, avec Daniel. Là, on peut peut-être passer, mais bon. Ouais, il faut... ouais, ça va sûrement continuer. Hein. Puis là, il faudrait... ouais, j'irai pas tout seul en tout cas. Je reviendrai peut-être avec... quelqu'un de plus expérimenté que moi. Déjà, comment ça cale? Et le sol pour marcher là-dedans, c'est pas super pratique quoi. En plan séquence. Thank you.
Marie. Un petit message pour toi, Marie. Qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyablement beau. Alors, vous avez envie de vous déconnecter un petit peu de la réalité ? Je vous conseille de venir dans une grotte. Parce que croyez-moi, vous oubliez tous vos soucis. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette beauté, quoi? Oh, la cavité qu'il y a là-haut. J'ai bien chaud là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, putain. Magnifique. Magnifique. Alors, hop. Vraiment se mettre à genoux. Parfois on entend des vibrations, je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas de route au-dessus, donc il n'y a pas de voiture. Je sais pas. Les amis spéléologues sont déjà passés par là. Oui, bon, ça c'est évident que... Elle est assez connue, cette grotte, hein. Même ici, elle n'est pas évidente à trouver. Et voilà. Ça, j'en peux plus. Il fait vraiment, vraiment très, très bon. Hein. Je transpire même. Je vais éteindre la lampe. Voilà, toujours en plan séquence. Ah, aïe, jusqu'à la sortie. Pourquoi il y a toutes ces abeilles là? Oula! Puis elles sont balèzes, hein! Ah ouais! Putain, elles sont énormes! Vous pouvez me laisser juste passer, moi je. Ah bah elles sont parties! Laissez-moi passer, je m'en vais, après vous revenez, faites ce que vous voulez! Ouais, d'accord, il y a un essaim là, je crois. Ah putain, ah, il y a un essaim juste à l'entrée. Ah, super. Donc là, vous voyez juste en dessous, là, sous mes pas, et ben, c'est là où j'étais exactement dans la grotte. La grotte se trouve juste là, quoi. Alors, je marche au-dessus. Du thym encore, qui sent tellement bon. Oh, du thym. Le thym.
fait un temps magnifique. Avant de rentrer dans la grotte, c'était couvert. Je suis sorti de la grotte, regardez. Oh là là. Alors ça, ça, si c'est pas du spot, oh là 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 là, mais comment c'est trop beau. Là-bas, je crois que c'est Courcegoul. Il me semble que c'est Courcegoul, ouais. Ouais, c'est ça. Là-haut, je sais pas si vous voyez le radar aérien, là. C'est le plateau de Cossol juste en bas, c'est le haut monté. En bas, c'est le plateau de Cossol, et voilà. Et c'est juste grandiose, grandiose. Ça faisait, on aurait dit le brame du cerf, mais je doute que ça soit le brame du cerf. Il le fait plus, mais si ça, je me demande si c'était pas un cerf, parce que c'est pas une vache en fait, hein. Est-ce qu'il y aurait pas un cerf là-dedans là qui essaye de pécho? Un brame qui essaierait de pécho, c'est concevable, hein. Bien un cerf, c'est le brame du cerf. J'espère que vous avez entendu. J'aimerais bien le voir. Il est pas loin, hein. Il est juste par là. Vous entendez, je réponds. Il y en a un qui est là et un qui est plus loin. Il se parle en fait. En gros, il y en a un qui dit moi j'ai une plus grosse quéquette que toi et l'autre il dit ça m'étonnerait, tu vois. C'est moi qui ai une plus grosse quéquette. C'est un peu ça le brame du cerf. Beau cet endroit, il n'y a personne, oh, c'est magnifique. Wow. En tout cas, c'est bien entretenu, donc on imagine que on a souvent des. Ça, on dirait la maison des Hobbits là-bas, on va voir. Oh, c'est une belle cette maison. Oh. Oh, cette vieille maison en pierre. Regardez ça. Oh, ça, c'est du terrain de foot, ça. Ça. Pensez toujours à venir avec un ballon aussi. Alors là tu viens, tu te passes une journée de rêve. C'est trop beau. Il y a une petite chapelle là. C'est fou de savoir qu'il y a des cerfs qui sont juste là en ce moment quoi. Putain, on va bien les voir. Trop mignon. Thank you.
le puits là, ouais. C'est trop beau. Ah, le petit paradis là. Waouh, regardez ça comme c'est magnifique. Et voilà, tout seul dans ce petit paradis, les amis. Daniel, quand t'as encore des idées comme ça, n'hésite pas à me les dire. Franchement, chapeau. Je me rappelle de ce que tu m'as dit, c'est exactement ça. C'est à peu près la taille du terrain qu'il me faudrait. Ouais, maison comme ça, parfait, très bien. Ouais, bah c'est voilà. Si je gagne au loto, moi j'achète ça. Et là, je me fais un petit ranch. D'accord. Ah ouais, ouais, c'est bon. Ouais, je vais vous le prendre. Ouais, je vais vous le prendre. En 2000 fois sans frais, s'il vous plaît. 2000 fois sans frais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, je le prends. Une pierre, voilà, et puis vous allez écouter comme parce que je vois pas vraiment, ça a l'air très profond. Je nettoie, attention, je lâche. Ah non, oh putain, oh putain, je croyais que c'était bien plus profond que ça. Mais d'accord, ok. Sympa, petit puits. Le havre de paix. On va passer par là. C'est une vieille maison, mais je sais pas. Vous entendez? Ah, il y a des gens là-bas. Ah, je croyais que c'était ça de loin. Je croyais que c'était une porte. Une porte comme les Hobbits. Ok, c'est un débarras, une vieille grange. Bah si, là il y a du foin. Ah non, c'est pas... Ah non, oula. Ah ouais. C'est à l'abandon, c'est une belle maison comme ça, c'est à l'abandon, c'est pas possible. Ah, des toilettes. Des toilettes sèches. Ben voilà. Petite envie pressante, toc. C'est bien, c'est super écolo. En plus, ça sent super bon, je vous jure, on est près des chiottes. Je sais pas, il y a un truc qui sent super bon là. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est ça, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que ça sent bon? C'est quoi, si quelqu'un sait ce que c'est, ça sent super bon. On dirait de la menthe, mais très, très léger. Est-ce que c'est bon avec les vignes? Donc là, le débarras aussi. Bon,
cet escalier, il est magnifique avec l'arbre. Oh, on se croirait dans le monde d'Harry Potter, quoi. On arrive dans le... Regardez. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. C'est magnifique. Y a quelqu'un? Personne. Je ne touche à rien, je ne fais que juste regarder. Je sais, ça se fait pas, mais voilà, je ressors. Bon, je sais pas, c'est... Ah, ça c'est... Alors la poignée, c'est un fer à cheval. C'est original. Ah, mais c'est tout abandonné, putain, mais... Une belle maison comme ça, abandonnée, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, certes, il y a beaucoup de boulot à retaper, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, cet arbre. Là, petite chapelle de Saint-Barnabé. Très mignonne.